Cette histoire s'intitule Cusco, l'empereur mégalo. Elle raconte comment un empereur très égocentrique dénommé Cusco reçoit la grande leçon de sa vie d'un gentil paysan du nom de Pacha. Lis avec moi en suivant dans ton livre, et chaque fois que tu entends ce son, tourne la page. Si tu es prêt, nous commencerons notre voyage en remontant le temps jusqu'à ce royaume noyé dans la jungle dont le jeune empereur Cusco est sur le point d'avoir 18 ans. Au palais, l'empereur Cusco appelle ses serviteurs. Maître d'hôtel ? Chef ! Cusco claque dans ses doigts. Puis il dévale les grandes salles en dansant et heurte de plein fouet un vieil homme. Bien loin de s'excuser, Cusco vocifère. Waouh ! Tu m'as pourri mon groove ! Les gardes jettent le vieillard par la fenêtre. À la suite de quoi, Cusco s'en va discuter avec Isma, sa conseillère. Mais très vite, il décide qu'il l'a assez vu. Ah, au fait, t'es viré. Isma est furieuse. Elle est également très rancunière. Tout en fracassant des statues de Cusco, elle confie à son homme à tout faire, Kronk, son intention de se débarrasser de Cusco pour de bon. Avec l'empereur éliminé et sans héritier au trône, je vais prendre le pouvoir, régner sur l'Empire. C'est brillant! Pendant ce temps-là, Cusco fait la connaissance d'un paysan nommé Pacha. Il l'informe de son projet de détruire son village pour y construire Cuscotopia. Ma sublime résidence estivale, livrée avec un toboggan en sus. Pacha est consterné. Mais on n'aura nulle part où habiter. Bien sûr, tant pis, dommage. Au fond de son laboratoire, Isma ourdit un complot pour se débarrasser de Cusco. Oh, comment procéder ? Elle déniche alors une fiole très très louche dont elle veut se servir contre Cusco. Elle en verse le contenu sur une plante qui meurt aussitôt. Isma sourit et tend le poison à Kronk. Prends ça, Kronk ! Sens la puissance ! Kronk sent le flacon. Oh, on la sent bien. Plus tard, au dîner, Kronk ne pense plus au poison, alors Isma le lui remet en tête. Kronk, l'empereur voudrait son verre. Oui. Oh, ouais. Kronk verse la potion à Cusco qui la boit. Contre toute attente, il se change en lama. Ce n'est pas vraiment ce qu'Isma avait prévu. Elle est furieuse. Elle ordonne à Kronk de faire disparaître le lama. Emmène-le hors de la ville et finis le travail tout de suite! Kronk met Cusco le lama dans un sac et le jette dans un canal. Puis il le repêche, pris de remords. Pourtant, il tremble à l'idée de ce dont Isma serait capable si elle l'apprenait. Allez, Kronk, vite, vite, vite! Je fais quoi de ce corps ? Puis, il se produit une drôle de coïncidence. Kronk trébuche, le sac lui échappe des mains et atterrit à l'arrière de la charrette de Pacha, qui continue à rouler sans s'apercevoir de rien. Kronk tente de le rattraper sans y parvenir. Il sait combien Isma peut se montrer rancunière. Oh, j'espère que ça va parvenir me hanter. Après la longue route du retour, Pacha n'a pas le cœur à avouer à sa femme, Chicha, que leur village sera bientôt anéanti. Mais Chicha sent bien que quelque chose le préoccupe. Pacha, est-ce que ça va ? Oh oui, juste un peu fatigué par la route. Inutile de dire la surprise de Pacha qui sort de chez lui, ouvre le sac sur sa charrette et trouve un lama à l'intérieur. Oh ! L'empereur n'est pas moins étonné. Pas touché. C'est la première fois que Pacha entend parler un lama. Il est un peu effaré. Ah ! Un lama démon ! Le problème, c'est que Cusco n'a toujours pas réalisé qu'il est devenu un lama. Mais de quoi tu parles ? Attends, je te connais, toi.
T'es le paysan pleurnicheur. Pacha, lui, commence à comprendre qui se cache sous ce lama. Oh ! Empereur Cusco ! Sans blague. À qui crois-tu parler ? Pacha ne sait pas trop comment apprendre à l'empereur qu'il est devenu un lama. Mais... comment ? Crash ! Vous ne... ressemblez pas à l'empereur. Cusco finit par voir son reflet dans l'eau. Mon visage, mon magnifique, magnifique visage, je suis devenu un vieux lama qui pue. Pacha s'efforce de le calmer. Ça va, ça va, ça va. Attendez, calmez-vous, majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye de me rassembler, d'accord? Je me souviens plus de rien. Attends une minute. Je me souviens de toi. Je me souviens que je t'ai dit que j'allais bâtir ma piscine là où tu as ta maison. Et ça t'a mis en pétard contre moi et... oh ! Et là, tu m'as transformé en lama ! Quoi ? Jamais j'ai fait ça ! Puis Cusco exige de Pacha qu'il le ramène au palais. Mais ce dernier refuse. Je ne vous laisserai pas partir à moins que vous ne changiez d'avis et que vous ne bâtissiez votre résidence ailleurs. Cusco, buté, s'obstine à prendre la route tout seul. Parfait, pas besoin de toi. Je retrouverai mon chemin tout seul. Pacha commence à se faire du souci, même s'il trouve que Cusco n'est qu'un enfant gâté. Je ne vous conseille pas, ce coin est assez dangereux quand on ne connaît pas son chemin. Pacha pense aux serpents, aux jaguars et au sable mouvant. Mais Cusco s'en va seul tout de même. Il ne lui faut pas longtemps pour être perdu et terrifié. À la vue d'un écureuil, Cusco se met à hurler. Qu'est-ce que tu veux ? L'écureuil, qui s'appelle Casse-Noisette, offre un gland à Cusco, mais celui-ci est accoutumé à une nourriture plus impériale. Taille la route, Casse-Noisette ! C'est alors que Cusco tombe sur un repaire de jaguars assoupis. Les fauves s'éveillent et pourchassent Cusco jusqu'au bord d'un ravin. Il est pris au piège. Vous, jaguar, féroce. Moi, wow ! Cusco vient d'entendre Pacha. Il arrive, accroché à une liane, pour sauver l'empereur. Vous en faites pas, votre Altesse. Je vous tiens bien. Vous êtes sain et sauf. Mais à la vérité, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils font bientôt un plongeon de plusieurs centaines de mètres dans un torrent tumultueux. Cusco n'est pas à son aise. C'est vrai que je ne suis pas un professionnel du sauvetage, soit, mais vu d'ici, j'ai plutôt l'impression qu'on a fait un pas en arrière. Tu ne trouves pas ? Après avoir survécu à une gigantesque chute d'eau, Cusco manifeste enfin un peu de reconnaissance. Il est d'accord pour épargner le village de Pacha. Pacha sourit. On est d'accord. Allez, je vous ramène au palais. En fait, Cusco ment. Il n'a aucune intention d'épargner le village et il est toujours aussi égoïste. Mais Pacha vient de passer au travers d'un pont et se balance à une corde au-dessus du vide. Il appelle Cusco à son secours. Vite, sortez-moi de là ! Non, ça va pas être possible. Il semble que ce soit la fin pour Pacha quand soudain Cusco passe lui aussi au travers du pont. Pacha s'inquiète pour lui. Ça va bien ? Vous allez bien ? Ouais, je crois que je vais bien. Bien ! Puis il frappe le lama. Ça, c'est pour ne pas avoir tenu votre parole ! Ils se mettent à se bagarrer, puis se rendent compte qu'ils risquent leur vie tous les deux. Ils décident de s'entraider pour grimper hors du ravin, et réalisent qu'après tout, ils ne s'entendent pas si mal. Pour l'instant, Cusco et Pacha sont affamés. Ils s'arrêtent donc à l'auberge, la poêle à frire de Moutka. Une fois servi, la nourriture n'est pas du goût de Cusco. Je vais faire un tour à la cuisine et dire deux mots au chef. Juste après son départ, Kronk et Isma s'asseyent dans la baraque derrière Pacha. Il les entend parler de tuer Cusco. Pacha sait qu'il faut vite aider son ami lama. Alors, il l'entraîne à l'extérieur. Ils sont venus pour vous tuer ! Me tuer ? Mais ils ne sont rien sans moi. Pacha est tout retourné.
Est-ce que vous allez m'écouter pour... Non, 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 toi tu m'écoutes. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta stupide colline. Cusco se détourne et abandonne Pacha. Mais alors qu'il a presque rejoint Isma, il l'entend dire à Kronk... Si tu ne t'étais pas trompé dans les poisons, Cusco serait mort à l'heure qu'il est. Cusco court loin d'Isma et de Kronk, aussi vite que possible. Puis il s'élance dans la jungle à la recherche de son ami. Pacha ! Pacha ! Pacha ! Mais Pacha reste introuvable. Cusco a le sentiment d'avoir éloigné de lui le seul ami qu'il ait eu au monde avec ses méchantes paroles. Après une nuit solitaire sous la pluie, Cusco se réveille au son d'une voix familière qui résonne au milieu d'un troupeau de lamas. Vous pouvez me traiter de cinglé d'avoir suivi ce gars-là tout le long. Mais même s'il s'obstine à le nier, je sais qu'il y a du bon en lui. Et puis d'ailleurs, je ne pouvais pas le laisser tout seul dans la nature. Comme lama, il est nul. Il est nul. Il est vraiment très nul comme lama. Cusco accourt vers son ami. De sa vie, il n'a jamais été aussi heureux de voir quelqu'un. Cusco a grand besoin d'aide. Pacha imagine un plan. D'accord, on va passer à la maison pour prendre des vivres. Et ensuite on va au palais, promis ? Promis. Mais les ennuis les attendent chez Pacha. Isma et Kronk y sont déjà à leur recherche. Tandis qu'Isma est dans une autre pièce, Pacha se glisse à l'intérieur pour mettre Chicha au courant. Alors, il faut qu'on retourne au palais, qu'on trouve le labo et qu'on le retransforme. Chicha est prête. Allez-y, je vais les coincer ici assez longtemps pour vous donner de l'avance. Et c'est à cela qu'elle s'emploie. Alors que Cusco et Pacha s'élancent à travers la jungle en direction du palais, Chicha et ses enfants couvrent Isma de miel et de plumes et l'expédient vole planer en bas de la colline où il finit comme piñata dans une fête. Isma appelle Kronk. Isma et Kronk se jettent sur les traces de l'empereur et du villageois, les pourchassant jusque dans la jungle. Au moment où ils vont rattraper Cusco et Pacha, Kronk et Isma sont frappés par la poudre. Sans perdre de temps, Cusco et Pacha s'enfuient devant eux. Ils croient avoir fait la partie la plus effrayante du voyage, mais il leur faut encore descendre au laboratoire d'Isma par le chemin secret. Veuillez rester assis, toujours garder bras et jambes à l'intérieur. Une fois au laboratoire, Pacha cherche désespérément la potion qui rendra apparence humaine à Cusco. À quoi est-ce que ça ressemble ? J'en sais rien, continue à chercher. Soudain, Isma surgit. Afin de tout embrouiller, elle renverse l'étagère où sont les fioles. Impossible de savoir laquelle contient quoi. Puis, Isma lance les gardes du palais contre Pacha et Cusco. Tuez-les ! Ils ont assassiné l'empereur ! Non, attendez, c'est moi l'empereur ! Mais les gardes ne l'ont pas reconnu et les poursuivent hors du palais où ils se retrouvent à des centaines de mètres au-dessus du vide. La dernière fiole qui reste est finalement celle qui rendrait apparence humaine à Cusco. Il va s'en saisir quand Pacha dérape et reste suspendu à deux doigts de tomber dans le vide. Cusco lui demande de patienter. Bouge pas, je suis à toi dans une minute. Mais Pacha ne peut attendre. Cusco ! Alors, au lieu de prendre la fiole, Cusco fait ce qu'il devait faire et sauve son ami. Par chance, tous les deux réussissent à conjuguer leurs efforts pour atteindre la fiole. Cusco sourit à Pacha. Allez. Au retour de Cusco. Puis, il boit la potion. Ayant retrouvé apparence humaine, Cusco renonce à détruire le village de Pacha. Au lieu de cela, il construit une petite maison de campagne non loin de la colline de son ami, afin de pouvoir lui rendre visite chaque fois qu'il le souhaite. Finalement, Cusco est non seulement un empereur gentil, mais un empereur heureux.